Adé Laurent est visée par une plainte et les réactions sont en train de se multiplier. Jessica Thivenin se convertit à l'islam et Jazz est une mauvaise mère, je vous raconte tout ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Mix the Tea, émission qui revient sur les actualités télé-réalité et people. Au programme aujourd'hui, de nombreuses actualités, de nombreuses polémiques, j'espère que cette émission saura vous captiver. Je vous retrouve après le générique, n'oubliez pas de liker pour aider à développer, commenter pour l'algorithme et vous abonner si c'est toujours pas fait. Ça va vous ? Moi je suis totalement à jeun. J'ai une prise de sang dans 2 heures, donc l'émission de la semaine risque d'être un petit peu olé olé on va dire. Non sérieusement, je vais juste beaucoup rester sur mes notes cette semaine. En plus j'ai trouvé qu'on n'avait pas énormément de sujets, on a surtout 2 gros dossiers qui sont très importants. Donc j'espère que l'émission vous plaira quand même, je risque d'être un petit peu plus fatigué que d'habitude, il ne faut pas m'en vouloir. Il est 7h du matin, j'ai une prise de sang à 9h. Et non, je ne pouvais pas filmer après parce que mon petit ami se fait tatouer toute l'après-midi et en tant que gentleman, évidemment, je l'invite. Je l'accompagne, ça commence mal. J'espère que vous avez quand même passé une très bonne semaine, très heureux de vous retrouver pour cette émission Mix the Tea. Au niveau de la mise au point, j'ai pas grand chose à vous dire à part de continuer à liker MTT parce que je me rends compte de tout ce que ça apporte. C'est-à-dire que l'émission est vraiment découverte par plein de nouvelles personnes. Je le sais parce que j'ai de plus en plus de haters, donc ça veut dire que mon contenu est beaucoup mis en avant. C'est un mal pour un bien finalement, ça permet de faire grandir l'entreprise. Donc n'hésitez pas, pendant la mise au point, si jamais vous connaissez mon travail et que vous voulez me soutenir, à liker, il y a 30 000 vues par semaine, on est à 1000 likes, si un jour on atteint les 2000, franchement j'en serais ravi. Je crois que la semaine dernière on a fait 1200 ou 1300, il faut se mobiliser les amis. Et oui, on peut liker sur télé pour celles et ceux qui demandent. Je vous rappelle également que je suis en live sur Twitch tous les jours sauf le mercredi et le week-end et que la chaîne de replay est très active si jamais vous ne la connaissez pas, on revient sur toutes les actualités qui ne sont pas forcément dans MTT ou alors sur des actualités dont on parle en live et que je peux ramener dans MTT avec votre pensée. Tout ceci est dans la barre d'infos et si vous avez la flemme d'aller regarder, c'est Rudy Coppel Replay. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour la mise au point. On va tout de suite commencer avec les stories de la semaine. Pour les stories de la semaine, cette semaine, je voulais commencer avec Nabila. Et oui, Nabila a fait une petite vidéo récemment qui a fait pas mal de bruit et honnêtement, je trouve qu'elle est assez intéressante. Il y a plusieurs choses à en tirer. En fait, elle explique que son mari et elle sont un petit peu en désaccord en ce moment parce que Thomas, donc son mari, a décidé de supprimer certaines applications, trouvant que son temps d'écran était beaucoup trop élevé. Nabila, elle, a refusé de supprimer ces applications et par conséquent, ça peut créer des petites discordes. Mais surtout, je trouve que le message à l'intérieur de la vidéo que vous allez entendre, que j'ai pu prendre sur le compte de Clash de Cassos TVR, est super intéressante parce que je trouve que Thomas a une bonne vision des réseaux sociaux et qu'il essaye de se reconnecter au monde réel. Alors je sais que ça va être totalement en contradiction avec tout ce que je fais étant donné que mon travail est littéralement d'être sur les réseaux sociaux, mais qu'on me croit ou non, honnêtement je consomme pas autant de contenu que ça. Je regarde pas mal de vidéos YouTube et je regarde les publications des personnes que je suis. Mais par exemple, je n'ai pas TikTok, je ne vais jamais dans l'explorer d'Instagram, c'est-à-dire que je vais pas vraiment être un grand consommateur de contenu et perdre des heures sur les réseaux sociaux à scroller. Donc je trouve que le message de Thomas Vergara est plutôt intéressant et j'avais très envie de le mettre en avant. Je vous laisse écouter. Alors il faut que je vous explique un truc. Donc en fait, Thomas a décidé d'enlever certaines applications et du coup moi, j'ai pas décidé de les enlever. Et là, par exemple, il est dans une réflexion qui est très bien et que je respecte. Oui, les réseaux sociaux, ça sert à rien, on est trop connectés, enfin tout ce qui va là-dedans. Voilà, ça nous met dans un bad mood parfois, c'est mieux sans, etc. Et donc là, moi j'ai dit que je respectais sa décision, mais que moi je voulais juste faire ma life. Et là, par exemple, genre je suis sur mon transat, je suis sur mon tel, et donc il se met là, voilà. Voilà ce qu'il dit. Donc il dit, et il le répète plein de fois, il dit, comme s'il y avait un speaker, il dit ton temps d'écran est trop long. Ton temps d'écran est supérieur à la norme. Donc en fait, moi je suis tranquille sur mon transat. Je me suis mis 10 minutes sur mon tel et j'ai un speaker dans ma tête. Ton temps d'écran est trop long. Tu peux arrêter s'il te plaît? Toi t'as raison.
Je m'abrutis pas, je suis en train de faire un montage. Viens te sociabiliser. Il me dit, viens te sociabiliser. Dis-moi, chérie, viens avec moi dans la mer, je viens direct. Bah, viens dans la mer, ma puce. Voilà, voilà. Merci. Donc, en gros, moi, je vais vous expliquer ce que je pense. Je pense que on perd tous notre temps sur les réseaux. On perd le partage, le vrai partage. Au lieu de regarder ce que l'un, l'autre fait, en plus, il n'y a que des fausses informations non, sur c'est TikTok. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désinformations Twitter, et ça, c'est chiant. Tu vas lire tout et son contraire. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, au final, tu n'apprends rien, tu as perdu du temps, tu as passé 3-4 heures dans ta journée. Mais c'est cool quand même, des et fois. Encore 3-4 heures, il y en a, ils passent 7-8 heures. Hein, si tu regardes les temps d'écran des gens. Ouais, j'ai moi, je passe pas ce temps-là. J'ai des potes à moi, ils font 7-8 heures dans une journée. Mais t'imagines tout ce que tu peux faire en 7-8 heures, tu perds ton temps. Voilà, et au final, bah, tout ce qui se passe dans la vraie vie, bah, tu le loupes. Voilà, c'est vrai. Non, mais tu peux y aller, non, mais de temps en temps. Il faut pas que ça devienne un automatisme. Tout le temps. Le matin, tu te réveilles, la première chose que tu fais, avant même de dire bonjour à qui que ce soit, tu vas, tu scrolles. Tu restes 20 minutes, mais en fait, tu restes une heure. Arrête de zoomer. Enfin, voilà. Non, et chérie, je. Allez, viens, on va se baigner. Je le rejoins là-dessus, mais je ne suis pas prête à enlever mes réseaux parce que moi, je sais me gérer. Mais je au sais, final, en plus de ça, tu sais y aller. Je sais y aller que 30 scrollé, minutes par jour. Tu auras scrollé, puis au final, tu n'auras rien appris. Et bah, puis, si, moi, j'apprends des trucs. Mais c'est nul. Si, ça t'apprend des trucs. Je suis pas d'accord là-dessus. Non, on n'est pas d'accord. Je sais que ça abrutit, mais ça apprend aussi des trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs sur Google, sur les réseaux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut se réguler et pas passer ses journées dessus. Moi, je reste une heure dessus dans toute la journée et encore des fois même 30 minutes. Et c'est suffisant. Et des fois, j'y vais pas. Mais je te dis, tiens, je vais passer 10 minutes. Au final, tu restes 40 minutes. Les mecs, ils vont aux toilettes. Au lieu de rester 2 minutes comme tout le monde. Et toi, tu prends pas ton portable aux toilettes? Il reste 15 minutes. Ouais, mais je le fais plus. Je le fais plus. Oui, tu le fais plus, mais je bon. Le fais plus. Mais avant, j'allais aux toilettes, bam, bim, je faisais mes trucs, je sortais, ça durait 3-4 minutes. Vous me direz ce que vous en pensez et n'hésitez pas à mettre votre temps d'écran par application dans les commentaires. Pas de jugement chez moi, on le sait, c'est une safe place ici. D'ailleurs, l'équipe de modérateurs va bientôt arriver, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous vous faites attaquer dans mes commentaires. Deuxième story de la semaine, elle risque d'être un peu longue, mais c'est Maïsan, moi personnellement ça me fait rire. Elle nous a fait une petite story time très récente par rapport à son rapport aux hommes, mais par rapport aux hommes tout court. Maïsan essaye de se lancer dans la psychologie et de comprendre pourquoi, selon elle, les hommes sont de plus en plus girly. Encore une fois, c'est quelque chose qui m'a fait assez rire, c'est très second degré. Elle dit qu'elle ne vise personne, mais peut-être qu'il y a bien un homme ou deux qui sont visés. Je vous laisse regarder, la story brute dure 4 minutes, je ne sais pas si j'aurais pu la retravailler en magnéto, étant donné que si tout ce qui est dit à l'intérieur est intéressant slash drôle, il faut le laisser. Depuis quelques temps, je suis grave dans l'observation du comportement des hommes de manière générale. Je parle de personnes en particulier, je précise, mais genre du comportement des hommes avec moi, du comportement des garçons avec mes amis, des couples autour de moi, etc. Genre j'observe de fou et excusez-moi, c'est normal les hommes, ils sont devenus archi girly? C'est quoi leur problème en fait? J'ai pas compris maintenant, c'est les meufs qui sont galants, qui sont gentlemen. Genre, en fait, c'est quoi? Genre, tous les mecs, c'est devenu Gabriella dans High School Musical. Ils font des crises de jalousie. Quand ça va pas, ils mettent des sublis sur les réseaux. Et c'est quoi votre problème, en fait? Vous croyez où? Genre, j'ai pas compris. Vraiment, c'est devenu trop chelou. Genre, maintenant, c'est normal. Un mec, à chaque fois que vous sortez ensemble, il te dit pas se me prendre. Je t'ouvre la portière aussi? J'ai pas compris, je t'achète des pivoines. C'est quoi votre problème en fait? Vraiment, il faut m'expliquer. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une ambiance latente. Genre, vraiment, partout autour de moi, il n'y a que des mecs archi girly. Genre, déjà qu'un mec de base, c'est pas ouf en fait. Vous vous rendez compte quand même que vous n'êtes pas ouf. Vous savez pas vous tenir, vous êtes relativement plus proche du chien que de l'homme, vous allez inévitablement tromper, vous n'êtes pas à l'écoute, etc. Genre, déjà, c'est pas dingue. On vous prend quand même comme ça. Et maintenant, on doit faire avec vos sortes d'humeur. Maintenant, vous avez vos règles. Maintenant, vous êtes devenu sensible, vous êtes hypoallergénique, vous faites des crises de jalousie, vous roulez par terre. Mais en fait, arrêtez, faites-vous poser un stérilet. En fait, on n'est pas vos camarades. On n'a pas votre temps. Je supporte vos caleçons tout sales déjà que vous mettez à côté de la panière à linge. Déjà, on supporte ça. Et maintenant, on va supporter vos sautes d'humeur. Maintenant, genre, maintenant, vous écoutez du Jenali. Maintenant, vous êtes Kenza Farah. Moi, ça marche pas comme ça. Hein. Dites-vous, il y a des mecs qui sont en couple avec mes copines. Quand ils se disputent avec mes copines, elles me le disent même pas. Le mec en question, il appelle toutes les autres copines. Il dit, s'il te plaît, je me suis disputée avec elle. Non, mais parle avec elle. Non, mais tu te rends compte, elle me fait du mal. Et on est où, là, en cours de macramé, en fait? C'est quoi la prochaine étape? On se fait des tresses? Tu veux que je te fous du fard à paupières? J'ai pas compris, en fait. Et
si on avait eu envie de sortir avec Diddle, on l'aurait fait en CP, d'accord? Donc maintenant, vous allez vous canaliser, on veut pas vous entendre chouiner. Déjà, vous sentez pas bon, on veut pas vous entendre chouiner. C'est quoi ça? Je sors avec un Kleenex? C'est une dinguerie. Oh, moi, ça m'a gonflé. Je vous dis, j'arrive à saturation. En fait, il n'y a plus rien de bon, en fait. Maintenant, voilà, faut partager des additions. Déjà ça aussi. En mode, j'ai pris un coca et toi, t'as pris deux Perrier. Quoi? Et en plus, maintenant, vous chouinez. Allez, va. Encore une fois, la répartie de Maïsan est vraiment quelque chose qui nous fait rire chaque semaine. Donc j'espère qu'ici aussi, ça vous fera rire. Et enfin, dernière story de la semaine. Alors ça, je suis très ravie de l'avoir vu passer. J'ai vu passer l'extrait sur le compte de la blogueuse Lily Lapestouille. Chloé Cooper a parlé de l'exposition des enfants dans une récente interview chez Samzira. D'ailleurs, on va revenir sur son interview un petit peu plus tard parce qu'il y a eu un clash entre Emily et Chloé. Mais ici, elle parle de l'exposition des enfants et Chloé met en garde en fait. Elle est au courant des risques que les enfants peuvent courir en étant exposés à outrance sur les réseaux sociaux. Et donc, la mère de la petite Lou a décidé de ne pas montrer sa fille. Je trouve que c'est très intéressant le fait qu'elle en parle et qu'elle le mette en avant, donc j'avais très envie de le partager. Merci Lily d'avoir mis ça sur ton compte Instagram parce que je n'ai pas pu voir l'interview, donc je serais passée à côté de ça. Je vous laisse regarder. Mais là, il s'agit de ma fille et le porte-monnaie n'a aucune importance. À côté d'elle, ça n'a pas... Oui, mais certains te diront, oui, mais je lui mets de l'argent sur un compte de côté pour quand il sera majeur. On lui met de l'argent, mais celui qu'on gagne, voilà, sans elle. Et ça ne nous empêche pas de lui mettre de l'argent de côté. Donc, évidemment, que si j'avais de belles marques avec de beaux contrats et qui du coup, constituent un salaire pour Lou, évidemment, qui lui reviendrait. Mais j'estime aujourd'hui qu'elle n'en a pas besoin, que nous, on fera ce qu'il faut avec celle pour lui mettre de l'argent de côté et lui préparer le meilleur avenir possible, en tout cas le plus serein. Mais pour ça, ce sera avec notre argent et celui qu'on gagne. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement, sont aussi dangereux pour certaines raisons. Il est hors de question que je prenne le risque qu'on puisse voler les photos de ma fille et qu'on les utilise à des fins graphiques, enfin voilà, tout criminel. Ce genre de choses, criminelles, exactement, merci. Donc déjà pour ces raisons-là. La deuxième raison, c'est parce que, comme je l'ai dit, elle n'est pas en capacité de prendre cette décision et elle n'a peut-être tout simplement pas envie d'être l'amuse-bouche de milliers de personnes sur mes réseaux sociaux. Je trouve que parfois, les enfants sont humiliés à travers les réseaux sociaux de leurs parents. Ils les utilisent à tout va. Des fois, c'est très drôle, hein, mais enfin, l'enfant, quand il aura 15 ans et qu'il se verra... en train de taper une crise dans la story de ses parents et d'avoir été affichée de cette façon-là, peut-être qu'ils se diront, en fait, non, t'aurais pu éviter. Et moi, j'ai pas envie de mettre dans cette situation Lou. C'est pour moi une situation qui est délicate. Voilà tout le monde pour les trois petites stories de la semaine. On va maintenant passer au top actu. Vous allez voir, nous avons 5 actualités dans le top actu. J'espère que ça vous plaira. Jingle! Vous me le demandez assez souvent, petit point sur Secret Story. Nous rappelons qu'en octobre 2023, TF1 a annoncé le retour de cette émission tellement emblématique. On rappelle également que malheureusement, avec les audiences de la saison 11, le programme n'a pas pu être reconduit. On a vu que le retour de la Star Academy a été un franc succès. On voit aussi de plus en plus que les jeux en télé-réalité sont en train d'être regardés. Donc TF1 s'est dit pourquoi pas relancer tout ce jeu autour des secrets avec l'iconique Maison des Secrets. Nous rappelons également que Christophe Beaugrand sera donc à l'animation. Il avait d'ailleurs dit sur Instagram qu'il était très heureux de revenir dans la team Secret Story et qu'il a hâte de reprendre les rênes de l'émission. Il est aussi très ravi que TF1 lui fasse à nouveau confiance et Christophe avait dit que le retour était pour très bientôt. Moi, je vous avais expliqué qu'on parlait tous du printemps 2024. Nous sommes au printemps 2024, donc ça devrait arriver. Mais grâce au blogueur Clément Garin, aussi connu sous le nom de CG Scoop, apparemment Secret Story ferait bien son retour au mois d'avril 2024. C'était une théorie qu'on avait eue et ici Clément Garin dit que ce serait le 19 avril prochain. Alors, on est quand même sur une théorie, on est donc sur un apparemment, mais je pense que ça peut coller avec toutes les autres dates que j'ai pu voir passer. Évidemment, quand le moment sera voulu, nous parlerons de Secret Story en détail, du casting, des secrets, etc. J'ai tellement hâte parce qu'au moment où tout Secret Story était à son apogée, je n'étais pas chroniqueur télé. Et là, j'ai hâte de vous en parler. Avez-vous hâte? Je pense que oui, vu les demandes que j'ai chaque semaine.
On a vu cette actualité sur Twitch, Cassandra Julia s'est confiée sur son aventure des apprentis aventuriers. Elle a parlé notamment de sa première élimination, parce qu'on rappelle qu'elle a déjà été éliminée avant de revenir. Elle a déjà dit que son point noir, j'ai envie de dire, dans l'émission a vraiment été son binôme, Giovanni, que c'était vraiment le plus dur pour elle, plus que l'aventure. Elle dit « Le plus difficile était vraiment ma situation avec Giovanni. J'ai eu l'impression de vivre deux aventures, d'avoir trop de poids sur mes épaules. » Elle parle aussi d'un autre aspect qui est un aspect un peu plus superficiel, physique. Elle dit qu'elle a beaucoup de mal avec son physique dans les apprentis aventuriers, mais que ça ne la dérange pas de se voir comme ça. Alors quand j'en ai parlé sur ma chaîne de replay, je me suis fait décalquer, mais moi je trouve que justement c'est super intéressant d'avoir quelqu'un qui dit qu'elle a du mal à se savoir avec tel physique dans une émission, mais de mettre en avant le fait que c'est pas grave et que ça la dérange pas de se voir comme ça quand même. Je sais pas si on comprend ce que j'essaye de dire, mais justement les gens ont dit que c'était superficiel de dire ça, mais je trouve que non, elle est en train de casser cette superficialité. Ce n'est pas tout, dans une récente prise de parole sur Instagram, elle fait également part de la perte de poids qu'elle a eue à cause, j'ai envie de dire, des apprentis aventuriers, j'allais dire grâce, bien que Marjolaine soit venue sur la plage exprès pour perdre du poids. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu que dans cette émission, quand les candidats sont de retour, parfois ils perdent quand même pas mal de poids. Et encore une fois, il n'y a rien de superficiel là-dedans, je pense que ça montre juste la difficulté de l'aventure. Bref, Cassandra prend la parole et elle explique qu'elle a perdu 4 kilos lors de cette émission. J'espère quand même qu'il y a des check-up dès lors où ils rentrent des apprentis et même quand ils y vont de base, parce que je trouve que les pertes de poids peuvent être quand même assez impressionnantes. Je pense à Beverly également, il y avait aussi Benoît Dubois qu'on avait parlé chez Jordan Deluxe, et je me dis que ouais, c'est quand même assez impressionnant, donc j'espère qu'ils ont des check-up en rentrant. En tout cas, hâte de voir la finale qui devrait donc se dérouler le 29 mars, donc la semaine prochaine, nous en parlerons dans MTT. Jessica Thivenin a fait énormément de bruit cette semaine parce qu'il y a eu toute cette rumeur qui disait qu'elle allait se convertir à l'islam. Je vais pas mal rester sur mes notes, elle a fait un point le mercredi 20 mars avec ses abonnés pour justement revenir là-dessus, parce que c'est vrai qu'à cause de plusieurs stories, les internautes ont pensé qu'elle allait changer de religion. On a notamment entendu à plusieurs reprises ces derniers jours un appel à la prière qui était en story de Jessica Thivenin. On a aussi entendu Jess dire qu'elle voulait une abaya, une robe qu'elle trouve magnifique, mais qui effectivement a une connotation religieuse, d'après ce que j'ai lu. On a également vu que dans sa story du 19 mars, elle a indiqué qu'elle voulait passer l'iftar avec ses amis. J'espère que je l'ai bien prononcé, parce que la semaine dernière, je sais que j'ai bien prononcé Souleymane, donc j'espère que je l'ai bien prononcé ici aussi. Et donc avec tout ça, les gens, ils ont tout additionné et ils se sont dit, Jessica, elle est en train de changer de religion et elle va se convertir à l'islam. Donc il y a beaucoup de ses abonnés qui ont pensé ça, mais Jessica, elle a dit que non, en fait, que juste elle est dans un pays musulman, qu'entendre des minarets en fond sonore, ça reste normal vu qu'elle est à Dubaï, qu'en plus, effectivement, nous sommes en plein mois de Ramadan, donc la religion est extrêmement mise en avant et j'ai envie de dire tant mieux, ça permet de découvrir de nouvelles cultures et de s'intéresser à autre chose. Et d'ailleurs, elle va le dire elle-même dans la story que vous allez entendre, mais ses enfants aussi donc s'intéressent à cette religion et moi personnellement, je trouve que c'est bien parce que ça donne une diversité culturelle. Elle dit notamment qu'elle trouve que le pays est très accueillant et ouvert, peu importe le lieu d'origine des habitants. Elle dit qu'il fait bon vivre à Dubaï et elle dit, je cite, « Non, je ne vais pas me convertir ». Vous allez l'entendre, elle se confie donc quand même sur ses croyances actuelles. Elle dit qu'elle est chrétienne mais non pratiquante. Je vous laisse écouter. Je voulais revenir sur quelque chose hier parce que j'ai vu plein de trucs genre « ça y est, elle va se convertir, ça y est », parce que la dernière fois, il y a Liwen qui écoutait la moitié. Elle a dit c'est la mosquée, hier je suis allée faire un iftar, donc je vois, j'entends de tout et de n'importe quoi. Les gars, non, je ne vais pas me convertir, me reconvertir, je suis chrétienne qui ne pratique pas la religion chrétienne. Je ne vais pas, je vais pas faire la prière aux églises, etc., même si je suis croyante. J'ai baptisé mes enfants, mais je vis dans un pays musulman, un pays qui je trouve est ouvert et tellement accueillant, dans lequel on se sent tellement bien, peu importe la nationalité que tu as. Peu importe tes origines, tout le monde se sent bien. Je le disais avec Opinier, c'est des Renois. Et tout le monde se sent bien ici à Dubaï. Je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une vibe incroyable. Alors oui, bien sûr, il y a l'appel à la prière qui retentit. Je suis dans un pays musulman, il y a des mosquées de partout. Mes enfants savent ce que c'est, connaissent la religion. Bien sûr, on leur explique ce que c'est le Ramadan, la période du Ramadan, etc. Mon fils m'a posé des questions hier. Mais non, je ne me convertis pas, c'est pas parce que j'ai dit que j'aimerais bien avoir une abaya que je trouve très belle, la tenue, l'abaya, je trouve que c'est super joli.
La langue arabe, mon fils va l'apprendre à l'école. Là, dès l'année prochaine, il a déjà commencé. Il va apprendre l'arabe à l'école. Ça ne fait pas de lui. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il est musulman, etc. Alors, plus tard, ils feront les choix qu'ils veulent, puisque nous, on est très tolérants, vraiment. Nous, nos enfants, c'est nos enfants, on les éduque, on les élève, on leur donne juste des bonnes manières et le respect. Et après, plus tard, bah, ils feront ce qu'ils veulent. Et quoi qu'il arrive, c'est mes enfants, je les accepterai toujours. Par contre, non. Ce que je vois, ça y est, elle va se reconvertir, etc. C'est la mode. Non, pas du tout. Pas du tout. Je vis juste dans un pays musulman, donc oui. Bien sûr que dans mes stories, on peut entendre l'appel à la prière. Bien sûr qu'il y a des iftars tous les soirs dans tous les hôtels de Dubaï. Tous les soirs, il y en a partout. Et voilà, je vis dans un pays musulman. Quelque chose que j'ai dit sur Twitch et que, bah, qui est toujours d'actualité, c'est que personnellement, j'ai aussi vu sur Instagram d'autres influenceurs qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas pratiquants non plus de leur religion, s'ils en ont une, justement être, je n'ai pas envie de dire solidaire, mais accompagner des personnes qu'ils connaissent pour les repas du soir. Je n'ai plus le mot en tête et je n'ai pas envie d'écorcher. Et juste en fait, découvrir la culture, s'intéresser à autre chose. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est trop bien. Ça met en avant une diversité culturelle qu'on n'a pas forcément partout, et je trouve que c'est bien de le voir sur les réseaux sociaux, parce que outre le fait que effectivement on a que des choses négatives aussi, outre le fait que effectivement il y a énormément de négatifs, moi je trouve que ça c'est positif. Par contre, j'ai quand même vu des rumeurs qui disent que tout le côté abaya était peut-être pour pouvoir faire la promotion de marque d'abaya. On verra si c'est le cas, mais moi je pense que Jessica est juste sincère pour le coup. Raphaël Pépin a fait pas mal de bruit ces derniers jours. Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, lui et deux de ses amis ont mis en avant une vidéo TikTok absolument catastrophique que je ne vous mettrai absolument pas ici. Ils ont choqué tout le monde. C'était il y a quelques jours, j'ai vu ça passer sur Gossip Room. On a Vincent Quejo, Anthony Matteo et Raphaël Pépin qui ont organisé un jeu qu'ils ont partagé sur l'application TikTok. L'application du démon, je trouve. Sur justement cette vidéo, on peut voir, je cite, « donner des coups de poing dans la tête d'un convive à tour de rôle. Celui qui prend les coups doit deviner quelle personne lui a donné. » Alors effectivement, ça a choqué tout le monde. Les internautes ont été indignés et honnêtement, je comprends. Je sais pas du tout c'est quoi le but d'aller frapper quelqu'un en se disant « ouais, bah vas-y, du coup, devine qui c'est. » Et en plus de le mettre en avant sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, je rappelle que la moyenne d'âge est la plus basse, qu'il y a énormément de jeunes et que si cette vidéo devient virale et que si cette vidéo devient une trend, ça pourrait donner envie à d'autres personnes, à des enfants, à des adolescents de reproduire ceci, et c'est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, je vous mettrai pas en avant cette vidéo, je suis désolé si jamais il y a des curieux qui veulent la voir, c'est pas chez moi que vous la verrez, et j'espère sincèrement que personne ne prendra ceci comme exemple. Deuxième chose, Raphaël Pépin est en train de refaire sa vie visiblement. Il a profité de derniers jours où il était à Paris avant de retourner à Bali, et justement, en retournant à Bali, nous avons eu une petite rumeur disant que Raphaël Pépin serait en couple. Alors encore une fois, c'est Gossip Room qui a avancé ça. Il serait en couple avec une jeune fille qui s'appelle Laurine. Et apparemment, ça ferait quelques jours, voire peut-être quelques semaines que les deux seraient ensemble. On aurait pu l'apercevoir sur TikTok également. Il me semble que j'ai retrouvé un magnéto explicatif de la blogueuse ExcluTV+ sur TikTok. Je vous laisse écouter. Raphaël Pépin en couple, je te dévoile en exclusivité l'identité de sa nouvelle chérie. Alors qu'il était en dépression en France il y a quelques mois de ça, Raphaël a décidé de tout plaquer pour partir vivre à Bali, comme Vincent Quejo et Anthony Matteo. Depuis qu'il vit en Indonésie, Raphaël semble plus heureux et épanoui que jamais. Il a d'ailleurs changé d'hygiène de vie et a perdu pas mal de poids. Mais il semblerait qu'un autre élément explique ce bonheur retrouvé. Raphaël serait actuellement en couple avec une jolie Française rencontrée à Bali. Tout à l'heure, l'ex-candidat des Anges a posté cette photo en story qui confirme qu'il est bel et bien en couple. Selon mes informations, sa nouvelle chérie s'appelle Laurine et elle a pu être vue dans les dernières vidéos TikTok de Raphaël. Hier, c'est également elle que l'on a vue dans la story de Raph en train de lui couper les cheveux. Regardez. Carine, tu vas tout raser. Allez, vas-y, coupe. Elle m'a fatigué, elle. Allez, Raph. Oh la vache. Laisse comme ça. Laisse comme ça. Mais on a vraiment le crâne. Laisse-moi faire un coup.
Les internautes ont également fouiné, ils ont retrouvé le Instagram de Laurine, vous voyez des photos à l'écran. J'ai envie de dire tout le bonheur du monde, mais quand je vois le début de cette actualité, je vous avoue que je suis un petit peu mitigé. En plus, je rappelle également que Raphaël a quand même été visé par des, j'ai pas envie de dire théories, mais accusations de violence dans le couple. Donc, aux dernières nouvelles, son ex-petite amie en date, Tiffany, avait dit que c'était faux, qu'il avait toujours été respectueux, qu'il y avait juste eu des disputes dans leur couple, mais je tiens quand même à le mettre en avant, donc j'espère que leur relation se passe sera le mieux que possible. Je reste un amoureux de l'amour, donc quand même plein de bonheur pour Laurine et Raphaël. Mais s'il vous plaît, arrêtez ce genre de vidéos sur TikTok, c'est dangereux. Dernière actualité du Top Actu, je vous en parlais tout à l'heure de l'interview chez Samzira, mais avant ça, il nous faut un petit peu plus de contexte. Je pense que vous connaissez tous et toutes Émilie Neffnaf, qui a été la grande gagnante de Secret Story saison 3. Et bien dernièrement, elle était invitée sur la chaîne de Laura Lempicka, donc Lolo Baby Show, chaîne qui a deux gros concepts en ce moment. On a une sorte de Dr. Love, enfin du moins une ligne d'écoute avec des problèmes d'amour, et aussi une mini-interview assez piquante, avec des questions qui peuvent déranger. Et bien justement, Émilie Neffnaf a tenu des propos sur la chaîne de Laura qui ne sont pas du tout passés. On rappelle qu'elle serait en couple avec un footballeur actuellement et elle a tenu des propos qui ont choqué la plupart des internautes. En fait, Laura parle d'un sujet dans cette vidéo et cette interview. Elle dit l'importance d'entretenir sa vie de couple pendant la grossesse. Sous-entendu qu'il faut justement effectivement entretenir la vie de couple pendant la grossesse, ne pas s'oublier, ne pas oublier son partenaire, etc. Mais Émilie a eu une réaction par rapport à ça qui n'est pas du tout passée. Émilie dit, en parlant de libido, « La libido, c'est quelque chose qui s'entretient. Quand tu deviens maman ou future maman, si tu mets un blocage à ton mec, il va voir ailleurs. » Je vous laisse regarder. La libido, c'est quelque chose qui s'entretient. Mm-hmm. Ça veut dire que moins tu fais, moins t'as envie. Mais mm-hmm. je pense que quand tu mets un stop ou quand tu deviens vraiment maman et quand tu n'es même pas maman, tu n'es qu'enceinte, ouais. future maman, si tu mets un blocage avec ton mec, ben il va aller voir ailleurs, quoi. Ouais. Ça, c'est pas faux. Mais en soi. Et même enceinte. ça peut et arriver. Surtout enceinte. surtout enceinte. Non, ça n'empêche, c'est vrai. Tu as raison. Bien sûr. Ouais, ouais, tu as raison. Après, je pense que, comme elle a dit Émilie, à la limite, tu te mets de dos. Ah oui. Bah ouais, tu te mets de dos comme ça, il voit pas forcément que t'es enceinte. Tu peux continuer à avoir ta relation sexuelle comme tu l'entends. Et en plus de ça, bah, maintenir ton plaisir si ça te chante, quoi. Donc, Ouais, moi, franchement, j'arrêterai pas. Et puis, sinon, elle le fait toute seule. Hein. Ouais, mais clair. ouais, moi, je sais pas, je te jure, c'était hallucinant. Ça m'avait vraiment dégoûtée, quoi. C'est dingue. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Ben, je sais, parce qu'il y a eu beaucoup... Enfin, la plupart des mamans, avec des femmes avec lesquelles je parle, justement... Les hormones font que t'es beaucoup plus chaude, entre guillemets. Donc ce que Émilie laisse sous-entendre ici, c'est que si elle ne s'occupe pas de son footballeur, eh bien celui-ci va aller marquer un but ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire ça, et que je suis désolé, mais personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, l'amour, la libido et même une relation amoureuse s'entretient. Par contre, je suis désolé, mais s'il n'y a pas de libido à un certain moment, si quand t'es enceinte, tu penses à ton bébé, etc., et qu'il n'y a pas ça, la personne qui est avec toi, si elle va voir ailleurs, c'est uniquement son problème et c'est elle ou lui qu'il faut remettre en question. Et bien Chloé Cooper, justement, dans l'interview chez Samzira, elle a décidé de répondre à ça parce que c'est un sujet qui lui tenait très à cœur. Elle a donné son avis sur cette polémique, finalement, parce que Émilie a quand même fait beaucoup de bruit avec cette séquence. Chloé dit « Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans ses propos, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est à la femme de faire le travail pour pas que son mari aille voir ailleurs. » Chloé essaye de déculpabiliser, bah, justement, les femmes qui pourraient avoir une perte de libido pendant une grossesse en disant que le mari, désolé, mais c'est un grand garçon et il a simplement qu'à attendre. Enfin, je suis désolé, mais pour moi, ce que Émilie a dit, c'est pas possible en fait et on peut pas dire ça publiquement et on peut pas essayer de donner ce genre d'exemple. Je vous laisse écouter Chloé. Normalement, j'ai retrouvé un petit magnéto. Moi, il y a quelque chose qui me dérange dans les propos d'Émilie, c'est qu'elle a l'air de dire que c'est à la femme de faire le travail pour pas que son mari aille voir ailleurs. Bah non, en fait, c'est à l'homme de se tenir, hein. Il lui fait un gosse, il va quand même assumer, il va attendre un petit peu. Et la femme ne doit pas culpabiliser si elle ne subvient pas pendant cette période-là aux besoins de son homme, il patientera, hein, et c'est un grand garçon. Et donc ça me dérange un petit peu. Après, j'entends le fait qu'un homme puisse être un petit peu rebuté par ça. Seb avait pas une libido max non plus, non pas parce qu'il me trouvait pas désirable, mais plus pour le côté, bah, j'ai un peu peur de te faire mal, j'ai un
peu peur que ce soit bizarre. Enfin voilà, me dire il y a ma fille à l'intérieur. Enfin voilà. Mais c'est vrai. Mais c'est ça. Mais il y a plus ce côté-là et finalement c'est presque bienveillant parce qu'il a peur de mal faire ou de me faire un petit peu mal. Donc pourquoi pas ? Le conseil, je le trouve pas nul. Dans pourquoi pas se tourner parce que du coup si ça pour les deux personnes c'est important de garder une vie sexuelle, c'est bien de trouver des solutions et il en existe. Par contre, si la femme se met une pression pour subvenir aux besoins sexuels de son compagnon parce qu'elle a peur qu'il aille voir ailleurs, bah alors mais quitte-le. Enfin c'est un peu trop tard maintenant. Mais bon, Seb a été patient. Il a été compréhensif et c'est la moindre des choses. C'est-à-dire que lui, il n'avait pas de libido, Seb. Alors si, si, il en avait, on en a eu. Et puis vraiment vers la fin, quand le ventre est très arrondi, effectivement, on en a un peu moins. Déjà parce que bah, moi, je dormais très mal, donc très fatiguée. Et puis Seb, il me voit maintenant comme... il me voyait comme la femme qui allait donner naissance bientôt à sa fille. Et donc, du coup, c'est bah, étape par étape. La sexualité, on sait qu'elle revient après. Et voilà, on n'est pas dans l'attente absolue, même si on avait des désirs. C'est vrai que la libido, elle est quand même un petit peu basse les deux, trois derniers mois, quoi. Et la libido, est-ce qu'elle revient facilement après l'accouchement ? Alors moi, oui. Ça a été, c'est remonté en flèche. J'ai eu un pic après l'accouchement. Malheureusement, pendant la période où les rapports sexuels sont déconseillés. Et après, ça revient petit à petit. Pourquoi déconseillé ? Par rapport à tout ce qui s'est passé en bas, c'est quand même un traumatisme assez important hein, pour la femme et pour son corps, l'accouchement. Et donc, du coup, les premières semaines à post-accouchement sont ces rapports interdits ou déconseillés, du moins. Chloé parle de son expérience personnelle. Elle dit que son compagnon n'avait pas non plus une grosse libido pendant sa grossesse, mais que c'était pas par manque de désir, mais surtout par peur de lui faire du mal et de faire mal au bébé qui était donc à l'intérieur d'elle. Chloé assure également que la libido revient rapidement après la grossesse et qu'il n'y a aucun problème à ça et qu'il faut vraiment déculpabiliser par rapport à ça. Et j'ai envie de dire pour réagir que effectivement faut pas faire peur aux gens comme ça parce que avec le discours de Émilie Neffnaf, malheureusement je pense que ça peut culpabiliser pas mal de couples, pas mal de personnes. Et encore une fois, c'est pas à la femme ou même sans parler de couple hétérosexuel, c'est pas à l'un ou à l'autre de faire tout le travail, d'entretenir tout. Non, une relation ça se construit et ça se cultive à deux, jours après jour. D'ailleurs, je vais parler des relations sur ma chaîne secondaire parce que qu'est-ce que j'étais toxique dans mon couple avant ? Oui, le mot à la mode, je l'emploie. Voilà tout le monde pour le top actu, il a été assez concis. On va passer au cœur actu avec pas mal d'actualités. Je vous parle ici de Sarah Frézou et j'en passe. Vous allez voir The Power aussi qui a l'air de pas plaire du tout, qui n'a pas l'air de plaire aux internautes. Mais avant ça, je vais aller fermer le rideau parce que le soleil est en train de se lever et je pense que la couleur risque de changer. Nous commençons le cœur actu avec Léa Marie. C'est vrai que ça fait quelques jours, même semaines maintenant, que Léa Marie essaye de se confier sur pas mal de sujets sur les réseaux sociaux. Comme le rapportent les médias, que ce soit physiquement ou mentalement, elle essaye de trouver un petit peu plus de sérénité dans sa vie. Dernièrement, on parlait d'elle parce qu'elle avait été invitée sur le plateau de TPMP. Elle parlait d'une chirurgie qui avait très mal tourné, qui aurait pu lui coûter sa vie. Après un passage en Tunisie, son fessier était devenu vraiment catastrophique. Il avait triplé de volume, même si c'est un peu ce qu'elle voulait, mais il y avait une infection qui a commencé à se développer. Et sur TPMP, elle avait d'ailleurs parlé des dangers et des risques avec la chirurgie esthétique, expliquant que après son passage, eh bien, quelqu'un d'autre a perdu la vie. Donc effectivement, ça aurait pu être très dangereux. Ce n'est pas tout. Elle a également partagé dernièrement une vidéo et une photo montrant qu'elle pourrait être enceinte. En fait, elle a montré une petite story où elle a le ventre tout gonflé avec un emoji enceinte. Et donc, on a eu cette rumeur qui est arrivée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle est enceinte ? Oui, non, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai parlé sur Twitch et les internautes, enfin du moins les spies qui me suivent sur Twitch m'ont dit que c'était possible que ça soit un petit peu comme une toutatis. Donc je vous rappelle que toutatis avait dernièrement dit être enceinte et qu'au final c'était pour un clip. Ou alors tout simplement pour buzzer dessus, mais que non, il n'y avait certainement pas de bébé dans le ventre de Léa Marie. Eh bien Léa Marie justement, elle a répondu à ça. Elle a dit « Les amis, je ne suis pas enceinte. Il y a deux jours, j'ai mis mon ventre en photo, mon gros ventre bien gonflé. Mais je venais de filmer un buffet, je venais de manger à mort. Si j'en mange, on
grandirait une femme enceinte de 4 mois. Elle parle ici du gluten, elle dit qu'elle est intolérante et que si elle mange du gluten, et ben effectivement son ventre gonfle. Alors malheureusement, je n'ai pas pu retrouver cette story du buffet, je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est vrai que donc il y avait juste un lien à faire entre le fait qu'elle aille au resto et qu'après elle montre son ventre gonflé. Il y a beaucoup de gens qui le font, moi le premier, mais pas sur Instagram, je le fais en privé. Donc effectivement, il n'y avait pas de grossesse. Mais pourquoi mettre cet emoji? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais le gluten, lorsqu'il est consommé, peut déclencher une inflammation de l'intestin et donc avoir divers symptômes comme des ballonnements ou un gonflement du ventre. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment on parle beaucoup de régime sans gluten, d'alimentation sans gluten, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment intolérantes. Ce n'est pas tout, elle a fait aussi beaucoup parler d'elle par rapport à une vidéo sur TikTok. On peut voir une vidéo d'elle qui dure 7 secondes, elle est devant une mosquée, elle parle pas, et en légende c'est écrit « Bon Ramadan à tous ». Cette vidéo n'est absolument pas passée, les gens disent qu'elle ne respecte pas la religion, ils se demandent si elle est musulmane, ils disent que elle est totalement irrespectueuse et que ses cheveux ne sont pas couverts devant la mosquée. Léa Marie a décidé de répondre à un message parce qu'en fait il y a quelqu'un qui commente, après Maeva c'est elle, après ce sera Polska et Little Angel aussi. Léa Marie répond en disant c'est un crime de souhaiter un bon ramadan à ses amis musulmans. Elle dit qu'en fait les gens n'ont rien compris à la vie, que les insultes c'est horrible et que pour le coup elle faisait rien de mal. Alors j'ai pas envie de me positionner parce qu'il me semble quand même que au niveau d'une mosquée il faut quand même voiler ses cheveux si je dis pas de bêtises. Par contre le message peut-être qu'il a été maladroit, mais je trouve qu'il est quand même assez positif. Elle souhaitait simplement un bon ramadan aux autres. Léa Marie n'est pas convertie à l'islam et peut-être que c'est quelque chose qui donc n'est pas passé par rapport à cette publication, je sais pas. Mais je sais que personnellement quand je vous ai souhaité un bon ramadan il y a de cela 2 semaines ou 3, eh bien on m'a surtout trouvé très bienveillant et très respectueux. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz si pour vous c'est respectueux ou non le fait que cette vidéo ait eu lieu. Je reste sur mes notes, nous avons eu un update avec Magali Berda. On le sait, ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'elle traverse une période compliquée. On a pas mal de polémiques, des accusations de plusieurs de ses ex-collaborateurs. Par exemple, dernièrement, on a eu Simon Castaldi qui avait dit chez Samzira qu'elle lui devait de l'argent mais qu'elle l'avait rendu. On a Beverly qui avait pris sa défense sur TikTok, Mila et Maeva qui avaient fait d'énormes stories accusatrices sur plein de points. Et c'est vrai qu'on parlait tous et toutes d'impayés, en plus des arnaques de Shauna Evans, etc., etc. Mais à côté de ça, et je vous l'ai toujours dit, il faut tout séparer, on a aussi tout le cyberharcèlement absolument dégueulasse qu'elle a vécu et qu'elle a subi ces derniers temps. Et là, il y a eu une nouvelle condamnation, un nouveau procès. Le 19 mars, 28 personnes ont été condamnées pour avoir pris part à une campagne de harcèlement en ligne d'une ampleur et d'une sévérité exceptionnelle. Magali Berda avait décrit le procès comme étant difficile. Elle dit que il y a eu les attaques verbales de ces cyberharceleurs qui ont été entendues et que pour elle, c'était, je cite, « des coups dans le cerveau, le crâne et le cœur. » Elle dit donc que c'est très important de faire attention aux mots qu'on emploie sur les réseaux sociaux. Je vous l'ai toujours dit, les mots ont un impact, les mots ont une certaine puissance et effectivement, quand tu vas insulter quelqu'un, quand tu vas être méchant, virulent et tout ce que vous voulez, eh bien c'est totalement horrible pour la personne qui les reçoit. Elle espère que ce genre de procès va pouvoir servir de leçon aux personnes qui sont malveillantes sur Internet et elle dit que elle est toujours en train de faire face à une vague de haine et de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Mais bon, il y a donc eu ce procès le 19 mars, les sentences ont été à l'encontre de 28 individus qui ont été impliqués et ça a évidemment marqué tout le monde. Je cite « Le jugement rendu lors du dernier procès est historique tant par le nombre de personnes impliquées que par l'étendue des peines. 4 mois de prison avec sursis jusqu'à 18 mois dont 12 de prison ferme sous surveillance électronique. Des sanctions qui marquent une certaine lutte en fait contre le cyberharcèlement en France. » Les avocats de Magali ont dit que ces sanctions étaient à la hauteur des souffrances endurées et que le tribunal a mis en avant qu'en fait Internet c'est pas le Far West, qu'on peut pas tirer sur tout le monde, insulter tout le monde, même si on dirait que c'est un espace libre et qu'on peut jamais retrouver les personnes derrière les comptes. Ici la preuve en est que oui, 28 personnes ont été condamnées, je trouve que c'est énorme, ça fait plus d'une classe de master. Et en plus de ça j'ai vu qu'il y avait des dédommagements à l'encontre de Magali Berda allant jusqu'à 54 000 €. Je termine par dire que le parquet a insisté sur le fait que l'espace numérique n'est pas une zone de non-droit, quelque chose que je vous ai toujours dit, le harcèlement et la haine en ligne, ce n'est pas toléré et ce n'est pas acceptable. Je sais que Magali Berda ne fait pas l'unanimité, mais ici je vous parle surtout du cyberharcèlement et de la lutte contre le cyberharcèlement qui avance. C'est Magali Berda qui en est l'actrice ici, et honnêtement, je trouve que c'est quand même très intéressant à mettre en avant.
Vous vouliez qu'on parle de ça. J'ai été assez étonnée parce que je pensais pas que Anaïs Kadratu, j'espère que je prononce très bien son nom de famille, qui était justement dans Secret Story 10, puisse vous intéresser à ce point. Mais vous voulez qu'on en parle, on en parle. J'ai effectivement vu la publication. Je cite un petit peu pour recontextualiser. Elle a été révélée en 2016 dans la saison 10 de Secret Story avec sa sœur jumelle Manon. Elle avait réussi à aller en finale de l'aventure. Elle a aussi fait une participation en 2020 aux Reines du Shopping. Et après, bah, elle a totalement quitté la télé. Elle s'est retrouvée sur YouTube, sur Instagram avec sa sœur. Et bah, c'est à partir de là qu'elles ont pu créer et bâtir une communauté assez soudée. Le mercredi 20 mars, elle décide de faire une très très grande annonce étant donné qu'elle a révélé attendre son premier enfant. C'est dans une vidéo qui a ému tout le monde qu'elle s'est mise en scène depuis un balcon dans les bras de son compagnon. Je vous laisse regarder. On a donc pu voir son petit ventre arrondi dans une très longue robe magnifique. Sa sœur se dit être la marraine la plus heureuse du monde. On a eu énormément de soutien. On a eu Cassandra Giulia, Stéphanie Durand, Victoria Meo, Yesta qui lui ont envoyé beaucoup de messages d'amour et de soutien. Anaïs, elle, décrit son poste en mettant « Et puis la vie vous fait des surprises », laissant sous-entendre que peut-être ils avaient prévu d'avoir un enfant plus tard mais que c'est arrivé par surprise. C'est un moment qui a été magnifique pour elle et je voulais quand même le mettre en avant. Et justement, avec cette annonce, elle a reçu une immense vague d'amour, une immense vague de soutien. Donc elle a répondu en story en remerciant internautes et collègues. Je cite « Merci infiniment pour tous vos messages. Je ne fais que pleurer. Je suis si heureuse. J'ai la chance d'avoir trouvé cet homme qui a changé ma vie. Il est tout ce que j'attendais, l'homme de ma vie. » Des mots très puissants qui, je l'espère, résonneront dans son couple à l'avenir. Et surtout, j'envoie beaucoup de courage, beaucoup de félicitations pour cette grossesse qui va donc grandir dans les mois à venir. Honnêtement, je suis content que vous m'avez envoyé des messages pour que je parle de ça parce que je comptais pas le mettre dans MTT. Je me suis dit que ça allait pas forcément intéresser. Malheureusement, je sais que les choses négatives et picantes intéressent plus. Et ici, vous vouliez vraiment qu'on en parle et que je le mette en avant, donc je le fais. Bravo Anaïs, tout le courage du monde et félicitations à ce couple. Un nouveau programme a vu le jour sur Sixplay. Vous vouliez qu'on en parle, je vous parle de Super Mytho sur Twitter, enfin sur X. Sixplay a balancé justement cette émission en disant « Pour découvrir qui est le champion du bluff, vos célébrités préférées ont accepté de se prêter au jeu Super Mytho. » Je rappelle que Sixplay, c'est un peu une plateforme de streaming où on a le groupe M6, donc on a Teva, W9, etc. Et justement, ça permet d'avoir des émissions qui ne sont pas diffusées à la télé. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il y a un abonnement aussi qui est Sixplay Max pour enlever les pubs. Personnellement, je l'ai parce que je regarde énormément Sixplay. C'est notamment là-dessus où on avait Uncut et où on a C'est la famille ou alors Les Fratés, etc. Dans Super Mytho, on retrouve quelques candidats comme Greg, Julie Ricci, Emily Nefnaf, Simon, Beverly, Giovanni, Adixia, Giovanni, Amélie Netten et plein d'autres. On a d'ailleurs le retour de Kevin Gage. On a Carla Moreau dans The Power et on a Kevin Gage dans Super Mytho. Honnêtement, ça m'étonne pas, c'est Kevin Gage dans Super Mytho. Il avait pris une pause de quelques mois. Il est heureux de faire son retour justement par rapport à la télé. Il n'a pas fait de déclaration sur les réseaux sociaux annonçant son retour officiel, mais c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant. Le concept de Super Mytho, il est très simple. Il y a trois chaises et en fait, à tour de rôle, il y a un thème et les trois candidats doivent dire une vérité ou un mytho, c'est-à-dire qu'on a deux vérités et un mytho et on doit trouver qui ment. C'est un concept qui a énormément été vu sur YouTube et d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup inspiré de YouTube, mais il n'y a aucun mal à ça et je trouve que c'est assez frais, divertissant. J'ai regardé personnellement 2-3 épisodes hier avant de vous justement filmer MTT pour avoir un petit background et oui je trouve que c'est super drôle, c'est super divertissant, c'est léger, c'est un jeu finalement et honnêtement ça fait du bien de voir ce genre d'émission. Je cite « À chaque tour, chaque candidat devra choisir une carte qui lui indiquera s'il doit dire la vérité ou mentir. Les autres candidats doivent ensuite deviner parmi eux qui est le mytho, c'est-à-dire le menteur. Si celui qui raconte l'anecdote réussit à bluffer les autres, il gagne un point. Dans le cas contraire, si le mensonge est découvert, les points vont aux personnes qui ont découvert et qui sont adverses. » Super Mytho, c'est une fraîcheur, c'est un mélange d'humour, il y a aussi de la stratégie et un petit peu de psychologie sociale. Donc en vrai, c'est très divertissant, je trouve. Mais comme je vous le dis, je pense que ce genre de jeu est largement inspiré des réseaux sociaux et de YouTube. Je sais que l'année dernière, on en avait eu un autre avec un petit peu un jeu où il fallait trouver l'amour, mais c'était pas vraiment pour se marier à la fin. Mais on avait Mélanie ORL, etc. Je n'ai plus le nom en tête. Et ça aussi, c'était pas mal inspiré de YouTube. On voit que la télé essaye de s'inspirer justement du contenu digital pour
essayer peut-être de ramener des audiences et de divertir. Mais est-ce que c'est si mal que ça? Je ne pense pas, parce que ici, honnêtement, je trouve que c'est super divertissant. On a eu pas mal de réactions, notamment par rapport à Kevin Gage. Je cite: Kevin va gagner, il est le roi du mensonge. Kevin Gage va gagner avec tous les mensonges qu'il nous fait croire. J'annonce Gage grand gagnant. J'ai jamais vu un mec avec autant de syndrome de Pinocchio. Alors là, il y a du très haut niveau, trop cool, hâte de découvrir ça. C'est cool, ils font plein de nouvelles choses. En tout cas, c'est innovant et je pense que c'est quelque chose qui va plaire aux internautes. Est-ce que vous connaissiez? Je pense que certains oui, parce que vous m'avez envoyé les premiers épisodes. Peut-être que d'autres non, donc n'hésitez pas à aller découvrir. Et encore une fois, le groupe M6, vous attendez quoi pour me sponsoriser? Je mets tout le temps vos émissions en avant là. Imaginez-moi en train de créer une émission pour M6. Après, je sais pas si j'arriverai à animer devant autant de gens. Petit point sur Sarah Frézou qui a fait pas mal de bruit ces derniers jours. Sarah Frézou, on le rappelle, elle a récemment malheureusement fait face à une tentative de cambriolage à son domicile parisien pendant qu'elle était à Dubaï. C'était le 28 février. Elle en avait parlé sur Snapchat. Elle avait dit qu'elle était très frustrée par rapport à cette situation parce que elle ne pouvait rien faire. Elle disait également que la France devenait de plus en plus dangereux et que heureusement, grâce à ses proches en France, elle a pu réussir à empêcher tout ça. Elle voulait donc avertir sa communauté que malheureusement, il se passe de plus en plus de dangers et qu'elle est très heureuse de vivre à Dubaï et de ne pas retourner en France. Mais ce n'est pas tout, ça c'était pour le contexte. Aujourd'hui, Sarah Frézou fait beaucoup parler parce qu'elle a mis en avant le fait que son assistante a eu un départ inattendu et qu'elle a été très déçue par rapport à celui-ci. Selon elle, elle avait offert à son employé une grande liberté dans son mode de vie, ce qui lui permettait de sortir le soir, de se promener, de recevoir son compagnon chez elle, etc., etc. Des privilèges qui seraient exceptionnels à Dubaï, étant donné que ce ne serait pas le cas partout. La lumière est en train de changer, je suis désolé, je vais aller fermer le rideau dans un instant après Sarah Frézou. Sauf que la situation serait devenue compliquée après le retour de vacances de Sarah Frézou. Son employé lui aurait demandé à prendre ses propres congés. Sarah dit: elle me dit qu'elle a le droit à ses vacances, elle me sort des délires sur son contrat. Je lui dis: mais en vrai, t'es toujours en congé payé. Je vous laisse écouter. Je suis revenue de vacances au moment où j'avais besoin d'elle. Elle a commencé à me dire oui, il faut que je prenne mes vacances de l'année. Tout. Je me dis: mais comment tu prends tes vacances de l'année? Ça fait 2 mois que je suis pas là et ça fait 2 mois que tu sors toute la journée. Moi, je le vois à vis-à-vis. J'ai mis des caméras d'ailleurs pour voir qui elle a ramené à la maison. Parce que j'avais un petit doute qu'elle ramène derrière mon dos. Alors que moi, je lui autorise. Je lui dis juste: quand quelqu'un vient à la maison, je veux être au courant. Donc voilà, ce soir, mon petit copain passe. Voilà, ce soir, ma nièce ou ma fille passe. Il n'y a pas de problème, en fait. Du moment qu'on ne touche pas à mes affaires, je m'en fous, moi. J'habite toute seule. Voilà. Et même, je suis familiale et c'est normal, en fait. Je suis humaine, en fait. Et de là, elle me demande des vacances de l'année. Je lui dis: bah, débile, attends, tu étais de mon vacances. Là, à peine, je viens d'arriver, en fait, j'ai besoin de toi. Je comprends pas. Elle me dit: ouais, ok, bref. De là, à ma vie. Déjà sorti une phase où elle me parlait de contrat, pas contrat, j'ai le droit à mes vacances par mois, par an, je sais pas quoi. Je dis: mais débile, pourquoi tu me parles comme ça? Franchement, la vérité, va dans d'autres maisons, il n'y a personne, mais vraiment, je suis sûre de moi, personne qui autorise tout ce que j'ai autorisé. Vraiment, 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 j'ai vraiment considéré que limite de la colocation. Vraiment, vraiment, voilà que les filles, je vous mens pas. Et là, bref, elle me sort des délires, ouais. J'ai le droit à une fois par an dans mon contrat, à un mois de congé payé, je sais pas quoi. Je dis: mais en vrai, t'es tout le temps en congé payé. Vous l'avez vu, je ne suis jamais chez moi. Franchement, maximum, à Dubaï, je dois faire un mois. Sinon, je bouge un peu partout. Les propos de Sarah Frézou n'ont absolument pas plu parce que les internautes en fait disent que Sarah Frézou se croit dans un monde de luxe, etc., que tout lui serait dû et que l'assistante demande des congés payés, la moindre des choses serait peut-être d'essayer de lui accorder ou de comprendre la situation avant de l'accabler de la sorte. Les internautes se disent choqués par la vision des choses de Sarah. Ils expliquent qu'il est tout à fait normal pour son assistante de bénéficier de certaines libertés que Sarah, elle, considère comme un luxe. C'est-à-dire que Sarah considère que se promener, recevoir son compagnon chez elle, des choses qui sont pour Sarah un luxe pour Dubaï, c'est pas censé en être un en fait. Et c'est là que du coup on repose la question par rapport à Dubaï, comment est-ce que sont traités les assistantes et les employés là-bas. Il y avait d'ailleurs une autre vidéo qui était chez Lily Lapestouille, j'espère que je vous la retrouverai, où on voyait justement la nounou de Maeva Genam et on voyait l'ambiance un petit peu, j'ai pas envie de dire glauque, mais il y avait une tension je trouve, et peut-être qu'avec l'assistante de Sarah c'est la même chose. Je vous laisse regarder la vidéo si je l'ai retrouvée. J'ai que gagné. Stop. P? Oh non, non. D'abord, c'est fille ou garçon? Fille. Fille. Ah.
enfant. Stop. Non. Non. C'est pas possible. Elle est trop forte. Après, moi, je joue plus. It's Lily. Non, c'est pas moi. Maybe I'll try with the Javel. Non, pas Javel. Sur du bois. I'll try with Jeffrey tomorrow. Yeah, inshallah, inshallah. Miguel a mis du sirop sur la table. Ouais, c'est ça. Et avant de passer à la deuxième partie du cœur actu, je vais vous mettre le jingle et je vais aller fermer le rideau. D'ailleurs, mention spéciale pour mon nouveau collier, je le trouve magnifique. Personne m'a fait de compliment dessus sur YouTube. Dites qu'il est beau. Rudy, t'es trop superficielle. Je m'en fiche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit point sur Vincent Queijoz et Rim Renom, et aujourd'hui je vous parle de Vincent Queijoz. On rappelle que leur séparation a fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, Vincent l'avait très mal vécu, il s'est donc relancé corps et âme dans le sport, et d'ailleurs je pense qu'il a beaucoup de projets qui vont arriver avec le sport. On l'a aussi vu lancer, j'ai pas envie de dire des courts-métrages, mais se mettre un petit peu dans l'acting, notamment par rapport à des pubs, quelque chose qui avait énormément plu. On a aussi appris via Rim la semaine dernière que les choses se sont arrangées entre les deux, qu'ils font du mieux pour leurs enfants. Et c'est vrai que Vincent est très très proche de ses filles. Donc je trouve que le fait qu'ils fassent en sorte de bien s'entendre un peu comme Laura et Nico pour leurs enfants, c'est quelque chose qui est à mettre en avant. On a d'ailleurs pu les revoir côte à côte sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de gens qui disent que peut-être ils sont en train de rallumer la flamme, etc., etc. Pas du tout. Je pense que simplement, comme je viens de vous le dire, ils essayent de faire au mieux pour les enfants. Mais les internautes se disent que c'est impossible qu'ils soient bienveillants l'un envers l'autre et qu'ils se regardent de cette manière. Mais moi, je pense que dans tous les cas, il y aura toujours une connexion et de l'amour entre les deux, juste est un amour différent. Leur priorité est de rendre leurs enfants heureux, et comme je l'ai dit pour Nico et Laura, je trouve que c'est quelque chose qui est à mettre en avant. Bref, ces derniers jours, on a vu Vincent Queijoz aux côtés d'une jeune femme, une mannequin qui se prénomme Pauline. Vincent passe énormément de temps avec elle, et notamment ils ont fait un shooting ensemble. Tout le monde s'est demandé s'ils étaient en rapprochement ou s'ils étaient en couple. Vincent a dit que le shooting était professionnel, qu'ils ne sont pas en couple, bien qu'il l'apprécie beaucoup. Il l'a répété, comme il l'a dit ces derniers mois, il n'est pas prêt à retrouver l'amour. Alors honnêtement, je pense que Vincent s'amuse, et il a le droit de s'amuser, mais effectivement, je pense pas qu'il va se remettre en couple de sitôt, je pense même pas que ça soit une priorité chez lui. Rim l'avait dit la semaine dernière, la concernant, que c'était pas du tout une priorité pour elle non plus, et je pense que ça va dans les deux sens, et que pour le moment, peut-être ils essayent simplement de se concentrer sur leur projet pro et sur leur fille. Mario Premier Regard a fait son grand retour sur M6 pour une 8e saison. J'ai trouvé ça sur Gossip Room, je cite. Le lundi 18 mars 2024, la chaîne a diffusé le tout premier épisode. Cette année, il n'y a rien de plus à signaler, on a les mêmes règles avec les mêmes experts. Mais on a entendu une jeune femme dans le trailer dire non à la cérémonie, et donc nous avons tous et toutes hâte de savoir de qui il s'agit. Du côté des célibataires, on a 15 candidats, 7 femmes et 8 hommes. Des futurs époux et épouses qui ont été triés avec des histoires de vie émouvantes pour le bien du programme. Les internautes ont pu découvrir une jeune femme, la plus jeune, qui s'appelle Ophélie et qui a 27 ans. Elle est célibataire depuis 2 ans et demi et elle pense être victime d'une malédiction. Elle dit que autour d'elle, toutes les femmes souffrent en amour, à commencer par sa maman qui lui a toujours répété que ses hommes étaient tous les mêmes et qui finissent par être infidèles un jour. Alors, je fais un petit peu une psychologie de comptoir, mais c'est pas du tout bon pour un développement de dire ça à quelqu'un et de le répéter en boucle, en boucle et en boucle. À côté de ça, sur Twitter, X, les internautes ont jugé Ophélie trop fragile pour ce genre de programme. Ils disent qu'elle n'est pas assez sincère, qu'elle est bien trop jeune pour participer à une telle émission. Alors je suis désolé, mais je vois pas le problème avec l'âge, et si elle est sensible, j'ai envie de dire tant mieux, justement, au moins elle verra des experts qui pourront l'aiguiller. Mais encore une fois, moi je suis désolé, c'est peut-être aussi au niveau du développement familial qu'elle a eu. Si on lui a répété toute sa vie que l'amour ça sert à rien, qu'ils sont tous les mêmes et qu'ils vont tous se finir par la tromper, je trouve que ça va pas vraiment l'aider. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on sait pas si elle s'est mariée ou non, il faudra attendre les épisodes pour le savoir. Par contre, on a vu quelqu'un qui a commencé à un petit peu dragouiller Ophélie. Je vous parle ici de Bastos, étant donné que le 18 mars, Bastos a voulu rentrer en contact avec elle. Sur Instagram, plusieurs de ses abonnés l'ont écrit en DM en disant que c'était la femme de sa vie qu'elle était en train de passer sur M6. Il en a eu marre peut-être de recevoir des messages, il a été intrigué, il est allé voir son profil, et un petit peu plus tard, il écrit en story:
Ok, j'avoue, vous me connaissez bien. On s'y prend comment pour interrompre cette émission? C'est bon, je suis en contact. Vous êtes des fusées. Merci les 100. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, plusieurs sous-entendus à ça. Est-ce que Bastos fait ça pour apparaître dans Mario Premier Regard? Est-ce qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour elle? Je sais pas. Est-ce qu'ils sont encore en train de se parler? Je ne sais pas non plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, d'après le physique d'Ophélie, j'ai l'impression que ça a l'air quand même d'être son type. Il me semble que Mario Premier Regard, c'est un petit peu quand même filmé en temps réel. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on n'est pas sur un tournage a eu lieu et tout qui est diffusé, je crois. Je suis pas sûr, hein, je confonds peut-être avec L'Amour est dans le Prix, si vous savez, dites-le moi. Et si c'est le cas, eh bien peut-être que justement on pourra en entendre parler dans les prochains épisodes. Donc à voir. Quoi qu'il en soit, trop content de retrouver cette émission pour une nouvelle saison parce que Amour est dans le Prix et Mario Premier Regard, ce sont vraiment mes deux petits péchés mignons. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous regardez? Alors, je termine avec The Power, j'ai vu ça sur Blasting News, je vais citer le média. Le 19 mars, W9 partage la bande-annonce de The Power sur son compte Instagram. Je vous laisse regarder si elle passe. Dans cette vidéo, on aperçoit le casting de l'émission avec les avatars. Les candidats sont présentés comme des figurines. Ils se placent sur divers monuments de Paris. Nicolas Ledina était à la place de la Concorde, les Sœurs Élimère ou encore Carla Moreau qui, elle, était à la pyramide du Louvre. Ça semble assez original comme bande-annonce et honnêtement, moi, je vous l'ai dit, j'adore la DA. Les figurines, le fait que ça soit un peu dark, les cartes, le plateau de jeu, c'est vraiment une DA qui me plaît. Mais beaucoup d'internautes n'ont pas du tout aimé. On a plein de commentaires négatifs. On peut lire, elle fait peur la bande-annonce. Non, ça fait flipper, ils sont bizarres les montages, on dirait une secte. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui rejoignent mon avis et qui sont très enjouées à l'idée de ce nouveau jeu. Ça donne envie de regarder. On est très impatient de retrouver certains candidats. Et honnêtement, de mon avis, moi je vous le dis, je pense qu'on va être sur un jeu qui est totalement what the fuck. Donc comme je vous l'ai dit, c'est basé sur l'histoire du loup-garou un peu, genre les traîtres, etc. Faut trouver la personne qui a le pouvoir. Mais je trouve que toute la DA qui est autour change et c'est tellement bien fait. Enfin, c'est mon avis, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est dark et qui vont pas aimer, mais moi je trouve que c'est trop bien fait. Je continue de citer Blasting News. D'après les premières images ainsi que de la bande-annonce, The Power réunit des candidats emblématiques comme Carla Moreau qui a intégré le casting. Elle a d'ailleurs avoué sa joie sur son compte Instagram, elle en avait fait une story, je vous laisse regarder. Bon, vous l'aurez compris, c'est mon grand retour sur W9 après 3 ans d'absence. Je reviens avec un tout nouveau programme complètement inédit qui va s'appeler The Power. J'ai hâte que vous découvriez les images, ne me posez pas de questions pour l'instant, je ne peux rien vous dire, je dois garder le secret. La seule chose que je peux vous confirmer, c'est que c'est un programme complètement fou. C'est un programme complètement futuriste, c'est un programme que vous n'avez jamais vu ailleurs et qui va certainement vous perturber beaucoup. Donc on se donne rendez-vous bientôt et j'attends vos petits avis. Nous avons également Nicolo Federico Ferrari qui est de retour, comme je vous l'ai dit, trop hâte d'aller manger des pâtes à Milano avec lui, ça m'avait trop manqué. Et Nicolo aussi en a parlé, notamment sur YouTube, il a dit « une des meilleures émissions à laquelle j'ai participé ». Cette émission sera donc lancée le 1er avril, le gagnant de cette émission aura une somme de 20 000 euros en récompense, sauf que le prix ne sera pas empoché, mais bel et bien redistribué à une association. C'est un petit peu ce que je vous avais dit quand on avait découvert The Power, enfin les premières lignes du synopsis, etc. Je vous avais dit que je pense que l'enjeu est de l'argent, mais que l'argent sera pas pour la personne qui gagne, mais bel et bien pour une association. Je pense donc que si la personne qui a le pouvoir gagne, choisit une association et tous les autres vont en choisir une autre. Je trouve que c'est bien, franchement c'est vraiment basé sur les traîtres, j'ai l'impression, et c'est innovant pour des candidats de télé-réalité style les Marseillais, et je trouve que c'est beau en fait, enfin c'est stylé, et la DA moi personnellement je l'adore, donc j'espère que les épisodes seront à la hauteur. Vous me direz ce que vous en pensez et j'espère que l'émission vous plaira. Voilà tout le monde pour le cœur actu qui a quand même été pas mal chargé finalement. On va se retrouver pour les deux gros dossiers. Jazz Korea, mauvaise mère, vraiment un mauvais exemple, c'est ce qui est ressorti cette semaine. Et évidemment la plainte contre Adé Laurent. Je vous en ai fait une enquête il y a 2 jours mais vous n'êtes pas prêt avec tous les updates qui ont été faits par rapport à cette affaire. Donc c'est parti, jingle.
Comme chaque semaine, vous le savez, les gros dossiers, je les lis littéralement parce qu'on a pas mal d'informations. Je vous parle déjà ici de Jazz. On va commencer par son petit ban sur Instagram. Elle avait expliqué être restreinte sur l'application parce qu'elle a eu une dispute avec une internaute. C'est vrai que Jazz expose souvent sa vie sur les réseaux et parfois ça ne plaît pas. Et quand ça plaît pas, bah des fois elle va le dire à la personne. Sauf que si elle est insultante, eh bien l'application peut réagir. Les internautes ne se gênent pas pour dire ce qu'ils pensent à Jazz. Jazz en a eu très marre de faire face à la méchanceté des internautes, elle en a marre d'être la cible des critiques, donc quand quelqu'un lui a fait une remarque, elle s'est beaucoup énervée, elle l'a traitée de connasse et de mongolienne, ça n'a pas du tout plu à cet abonné qui l'a signalé à Instagram, donc le compte de Jazz a été bloqué pendant 24 heures. Et Jazz, elle s'en fiche, elle en rigole, elle en sourit, et elle a été très insultante, la vidéo a choqué tout le monde, je vous laisse écouter. Je suis bloquée sur Snap, sur Insta depuis hier, donc je peux pas partager des trucs. Genre, par exemple, envoyer une story ou un réel à quelqu'un. Je peux pas écrire à qui que ce soit, je peux pas commenter aucune story, je peux pas commenter aucun post. Bonjour Léa. Pourquoi? Parce que j'ai insulté une meuf hier. En fait, il y en a, ils me foutent le mort. Elle commente des trucs de mes stories, soit par rapport à la Palestine, soit par rapport à mes lèvres, soit par rapport à mon cul. Je pense qu'il y en a même qui doivent analyser si je vais au toilette ou non. Et en fait elle m'a saoulée, voilà, je suis fatiguée, elle m'a saoulée, j'ai envie de ça en disant que c'était une connasse et une mongolienne, et je lui ai dit qu'il fallait apprendre la vie, quoi. Comme la Moruti qui disait hier qu'il continue à manger de l'herbe, les pauvres palestiniens, donc ça m'a foutu le démon, et cette salope m'a signalé, je suis bloquée sur Instagram. Ça m'apprendra, c'est la preuve que donc les connasses, au lieu de leur répondre, enfin au lieu de pas leur répondre, moi je leur réponds. Et au final, en fait, elle bloque mon Instagram. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire ça parce que c'est quand même plutôt drôle. Depuis hier, j'attends qu'il soit ce soir 18h pour pouvoir réutiliser ça dans. Ce n'est pas tout. Le 19 mars, elle reprend ses réseaux sociaux et elle fait une vidéo qui sort un petit peu des sentiers battus. Dans cette vidéo, elle met ses enfants devant la caméra et elle dit « Je vais sortir, vous vous dites tous les gros mots que vous connaissez en français et en anglais et dès que je reviens, vous arrêtez de parler. » Lors de cette séquence, on a donc ces deux enfants de 5 et 6 ans qui sont en train d'utiliser un vocabulaire très choquant. C'est quelque chose qui a fait pas mal de bruit, je vous laisse écouter. Je vais sortir, ok? Vous dites tous les gros mots que vous connaissez en français et en anglais, et dès que je reviens, vous arrêtez de parler, ok? Ça marche? Oui. Sûr, hein? Dès que je reviens, vous parlez plus, hein? Ok? Ok, je vais dire plus de pute là, de plus de cul. T'es niqué ta mère, fils de pute dedans ton cul. On va niquer ta cul et va la partir et niquer toi. Nikomouk, nikomouk. Hey you fuck you. Fuck you, my grandmère. Fuck you, my mom and dad. Why everyone is crazy? I don't know why. Bye bye. Moi, je vais sortir, ok? Vous dites tous les gros mots que vous connaissez en français et en anglais et dès. Il y a de nombreux abonnés qui ont été surpris, ils se demandent si c'est le rôle des parents de participer à ce genre de jeu de langage et d'autres disent que bah justement ça montre tout simplement qu'ils entendent ça toute la journée. Alors j'en ai parlé sur Twitch et sur Twitch on m'a expliqué que c'était une trend sur TikTok, que c'est quelque chose qui est en train de se faire absolument de partout. Je suis pas du tout d'accord avec cette trend, même si on va me dire qu'il y a des trucs plus légers du style les enfants qui disent simplement pipi caca et que le mot le plus violent qu'ils vont entendre c'est putain. Mais dans tous les cas ça veut dire en fait que tu confortes ton enfant à aller dire des choses négatives devant son téléphone et que tu vas le faire en fait vivre à travers cette trend, etc. Et ça donne un très mauvais exemple, je trouve. C'est pour ça que je n'aime pas TikTok. Les internautes disent, c'est archi pas drôle, c'est honteux, ça prouve juste qu'ils parlent très mal en présence de leurs enfants. Mais de quel genre d'éducation s'agit-il? Vous me direz ce que vous en pensez. Ce n'est pas tout, depuis quelques temps, on a aussi vu Jazz disparaître du face caméra sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont dit que peut-être en fait elle avait fait une nouvelle chirurgie au visage et qu'elle voulait le cacher à sa communauté. Alors on lui a posé la question, elle a été très cash, elle a dit qu'elle ne touchera jamais son visage et qu'elle ne fera jamais rien à son visage et elle dit qu'elle en a marre en fait de prendre les réseaux sociaux pour raconter de la merde comme le font certains influenceurs. Je trouve que c'est quand même assez violent, je vous laisse écouter. Donc cette question je vais répondre en live, donc
j'étais en plein jeûne, voilà. Mais bah, tout, déjà une, je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique sur mon visage, donc je ne sais pas pourquoi le dire encore. Et bon, j'ai pas fait de chirurgie sur mon visage. Et je vous confirme avec cette vidéo que je n'en ferai jamais de la chirurgie sur mon visage. Et pourquoi je parle pas trop? Parce que j'éprouve pas le besoin de parler pour dire de la merde comme 90% des influenceurs. Pour réagir à ça, honnêtement, quand je cherche des images sur Google, j'ai déjà vu des photos de Jazz avant et des photos de Jazz après. Elle a retouché son visage, donc je pense qu'il y a un gros mensonge là-dessous. Ça ne s'arrête pas là, je termine avec quelque chose qui s'est passé le 21 mars. Elle poste une nouvelle vidéo TikTok avec ses trois enfants. Ils étaient tous en train de chanter et la vidéo est en vrai belle à voir, je trouve. En légende, on peut lire « On est prêt pour The Voice », vous pensez? Mais les commentaires, eux, ont été assez virulents. Sous le post, on peut lire « Kayden, je peux pas, une baffe, pas quatre » ou encore « Les frissons de gêne ». Alors effectivement, s'en prendre aux enfants, par contre, je trouve que c'est intolérable, mais malheureusement, j'ai envie de dire que TikTok est rempli aussi de commentaires négatifs et de haine. C'est-à-dire que ce qu'on véhicule sur cette application, il y a des danses, il y a des trucs positifs, il y a des trucs cool, mais il y a aussi vraiment toute cette face cachée et très sombre. Une fois que Jazz a vu ses commentaires, elle a pété un câble, elle en a eu marre, elle a montré une capture d'écran en story où en dessous elle écrit « Écoutez, c'est simple, je vous propose la bagarre directe, ça va aller plus vite. Si l'une de vous a le courage un jour de parler mal de l'un de mes enfants devant moi, je vous respecterai après vous avoir cassé le derrière. » Elle qualifie ses messages et ses personnes de bande de dégueulasses et elle jure sur le cœur de son fils « Je t'en mets une, tu ne te relèves pas, sale merde. » We are the GLC, we are the GLC, we are the GLC family. And we love you, and we love you. Thank you for all the love every day. Chelsea, say, I am Chelsea. I am Chelsea. I know my family. You are the best. I just tell them Kayden, okay? And be nice. Thank you, everyone. And this is Kayden, and this is London, and we're a very happy family. We will always be together, 'cause the only thing we love is family. GLC. Alors encore une fois, selon moi, on ne bat pas le feu avec le feu, mais ici, je peux comprendre la colère de Jazz parce que s'en prendre à des enfants qui sont juste en train de chanter et être heureux, enfin un enfant c'est innocent, il n'a rien demandé, vous voyez ce que je veux dire, et on peut ne pas apprécier Jazz et son contenu. Pour moi, Kayden, Chelsea, London n'ont absolument rien demandé, mais ils sont exposés sur les réseaux sociaux et ça fait partie des risques, tu exposes ton enfant et tu n'es pas aimé, les enfants prennent aussi. Par contre, on ne bat pas le feu avec le feu, les insultes, les machins, les bidules comme on les voit depuis le début de ce gros dossier, je pense qu'il faut quand même se calmer et redescendre sur terre. Jazz Korea n'est pas non plus la Madre de Dubaï, hein, faut se calmer. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous avoue que la partie trend avec les enfants et les insultes, les mots que j'ai entendus, c'était ultra choquant. Et d'ailleurs ça a choqué absolument toute ma communauté Twitch qui était présente sur le live, soit environ 50 personnes. Ouais, on est nombreux sur Twitch maintenant. Rejoignez-nous. Dernier gros dossier, gros trigger warning, Adé Laurent visé par une plainte, je reste absolument sur mes notes. Avant ça, je fais un petit peu de contexte parce que je voulais faire un rappel. Rappelez-vous qu'il a aussi été impliqué dans une violente bagarre dans une boîte de nuit à Cannes au mois d'août 2023. C'est Aquababe qui en avait parlé. Le blogueur avait révélé une vidéo où on voyait plusieurs candidats, dont Adé Laurent et Ahmed Tai, affronter l'équipe de Yomi Denzel. On a vu plusieurs femmes être blessées et être, totalement en sang à cause des jets de verre et de bouteilles. Je vous laisse regarder cette vidéo, comme je l'ai dit dans mon enquête. Si elle est violente pour vous, tapez trois fois sur l'écran, elle dure 30 secondes. Mais je trouve que c'est très intéressant de la mettre en avant dans ce contexte. Regardez. Aujourd'hui, Adé Laurent est accusé d'agression sexuelle. Il
il a répondu à ça. Je refais un petit disclaimer, la présomption d'innocence est de mise, mais jusqu'à preuve du contraire, quand il y a présomption d'innocence, il y a aussi potentielle victime. Mon rôle ici est de donner l'information. Je donne l'info via BFM TV, même si beaucoup me disent que ça ne sert à rien, je vous donne quand même l'info, ça fait partie de mon travail. Une jeune femme de 28 ans accuse Adé Laurent de l'avoir... Et en 2018, une plainte contre X avec constitution de partie civile a été déposée le mercredi 20 mars. La plaignante est une jeune femme âgée de 28 ans qui accuse Adé de l'avoir... en 2018 en Australie. Dans cette plainte, les avocats ont pu mettre en avant les faits, des faits qui remontent à une soirée en boîte de nuit dans laquelle la victime et une amie auraient rencontré Adé Laurent. Ils les auraient abordés, ils auraient tous échangé leur numéro de téléphone. Ensuite, ils seraient sortis dans un bar et auraient consommé de l'alcool. Je le redis ici, l'abus d'alcool peut être dangereux à consommer avec modération. D'ailleurs, il y aura des ressources dans la barre d'infos concernant l'alcool, mais aussi un numéro gratuit si vous êtes victime d'agression. Selon la plainte, il se serait retrouvé ensuite chez lui dans la chambre fermée à clé. La femme aurait refusé à plusieurs reprises d'avoir des relations sans préservatif, chose que Adé Laurent ne voulait pas en fait. Adé Laurent ne voulait pas en mettre et il n'aurait pas accepté d'en mettre. Et donc, et à partir de là, il aurait forcé, comme ça a été dit. La plainte indique que malgré l'insistance de la jeune femme, il reste catégorique, il ne veut pas mettre de préservatif. Elle se serait donc retournée pour dormir et à partir de là, il aurait insisté, il l'aurait pénétrée sans son consentement et lui aurait forcé à faire une fellation. L'avocat de la plaignante dit, après plusieurs années d'un véritable enfer de soins, de thérapie et de réflexion, cette jeune femme n'a eu d'autre choix que de déposer plainte dans le but d'essayer d'avancer et de permettre à la justice de se saisir de ses crimes. Les crimes de qu'elle a subis et dont elle porte les stigmates pour le reste de sa vie sont indélébiles, mais son chemin de survie et de résilience passe par le dépôt de cette plainte. On a Booba carré réagi et qu'a comparé Adé Laurent avec un autre agresseur et finalement nous avons Adé Laurent qui a pris la parole. Je rappelle une fois de plus la présomption d'innocence, il a pris la parole dans des stories écrites, je vous l'ai expliqué dans mon enquête, je vais pas les relire ici, par contre il a fait deux vidéos, je vous laisse regarder la première. Votre pupus préféré est attaqué. Votre pupus national est en train de t'attaquer les gars. Oui, on ne rêve pas. Alors je vais être très franc avec vous, je m'attendais à des attaques. Alors, je vais pas vous mentir, des attaques de ce genre-là, non. Parce que pour tous ceux qui me connaissent, je ne suis... Alors, agresser des filles, manipuler des filles et forcer des filles à faire quoi que ce soit, ce n'est pas dans mes principes et mes valeurs. Je n'ai pas besoin de ça, là, encore une fois. Je condamne tellement, tellement ce genre de comportement, d'accord. Pour moi, c'est un sujet tellement grave et tellement à prendre au sérieux. C'est pour ça que j'en veux terriblement à cette femme qui, encore une fois, balance des accusations sur moi qui ne sont pas vraies. Du coup, donc, ça décrédibilise tout le combat des personnes qui se font harceler et des femmes qui se font agresser au quotidien. Et c'est ça, c'est pour ça que je suis révolté, les amis. La plupart du temps, je prends des sujets un petit peu à la rigolade. Là, pour moi, c'est très sérieux ce qui se passe, vraiment. C'est un vrai sujet, les amis. C'est pas Adé, il a fait... Non, non, les accusations sont très graves. Donc, dans un premier temps, j'adorerais avoir l'identité de cette personne, d'accord ? Parce que j'ai également, oui, dit que j'avais une relation, que c'était ma petite copine en Australie en 2018. Alors oui, j'ai été en Australie en 2018 pour mon stage Erasmus, mais je ne me souviens pas du tout avoir eu une copine là-bas pendant une dizaine de jours. Au contraire, j'ai vécu ma meilleure vie de célibataire. Donc rien ne va dans cette accusation. Dans un second temps, quand on me dit... par rapport aux médias, justement, qu'une plainte contre X a été déposée visant Adrien Laurent. Je répète, une plainte contre X visant Adrien Laurent. Donc, vous avez compris un petit peu l'incompréhension dans cette phrase. Une plainte contre X, ça veut dire que demain, quelqu'un se fait voler son téléphone dans la rue, le mec s'est barré avec le téléphone, on ne reconnaît pas la personne. Donc là, on... créer une plainte contre X parce qu'on ne connaît pas la personne. Mais là, c'est une plainte contre X désignant Adrien Laurent. C'est comme si tu vas dans une boulangerie, tu demandes un sandwich au beurre sans beurre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. C'est ça qui me... C'est délirant. Et vous vous rendez pas compte, mais je suis tellement bien éduqué par rapport à ça et bien préparé par rapport à ce genre d'accusation. J'ai été très bien éduqué. J'ai été très proche de mes parents. Chaque jour, ma mère et mon père sont là tout le temps pour essayer de m'inculquer de bonnes valeurs, de bons principes. Alors évidemment, j'ai un travail
assez délicat, assez original. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et du coup, c'est pour ça que ça me révolte, parce que c'est un combat tellement, tellement sérieux que cette femme, avec ses accusations, ses fausses accusations, décrédibilise tout ce vrai combat que les femmes endurent chaque jour. Et c'est ça qui me rend ouf, en fait. Mais là où je peux rien faire, les gars, c'est que malheureusement, dans ce milieu médiatique de réseaux sociaux, dès que tu commences à percer ou dès que tu commences à faire des scores de ouf sur les réseaux sociaux, bah y a ça qui arrive, les amis. Ça, c'est vraiment le problème d'être connu, d'accord ? Je pense qu'il n'y a pas que moi qui a été dans cette situation-là. Alors évidemment, je condamne toute forme d'agression sexuelle sur les femmes, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler au quotidien, mais en l'occurrence, avec des accusations qui ne tiennent pas la route comme ça, tellement des trucs qui ne vont pas dans ces accusations que ça en devient marrant, c'est un sketch pour moi, ce qui se passe là. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. J'attends le fameux de l'histoire. Moi aussi, je suis comme vous, les gars. Je suis un petit peu dans l'incompréhension. J'attends de savoir ce qui va se passer. Mais malheureusement, dès que tu as du succès, c'est très compliqué d'éviter ça. Donc voilà mes pupus. N'hésitez pas à me balancer un petit peu vos pensées en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de cette histoire. Et je suis dans l'incompréhension totale comme vous. En plus, c'est pas du tout le style de la maison, les gars. Je vais pas vous mentir. J'ai toujours été bienveillant, respectueux. J'ai tellement d'empathie par rapport aux femmes avec qui je traîne que j'ai vraiment pas besoin de ça, je vais pas vous mentir. Mais voilà, n'hésitez pas mes petites pupus, commentez, regardez, petit pull qui arrive bientôt, restez bien connectés. Et voilà mes puces, je vous fais des gros bisous. Dans cette vidéo, comme vous l'entendez, il en rigole, il parle d'un sketch. Alors, il y a des gens qui me disent que le sketch est dû au fait qu'on parle de plainte contre X. Moi, je vous dis, il a dit mot pour mot que toute cette histoire est un sketch. Donc, je suis désolé, mais c'est pris à la légère quand même. Et surtout, ce qui me dérange, c'est la petite promotion pour sa marque à la fin de la vidéo. Ce n'est pas tout, il y a aussi autre chose qui a été mis en avant. Aquababe a remis en avant une vidéo qui a été sortie il y a un petit peu un moment avec Gossip Room, un moment d'interview où justement on entend que c'est une vidéo perturbante parce qu'elle fait écho aux accusations actuelles. Dans la vidéo, il expliquait être une proie facile. Il dit « Je suis la proie numéro 1. Par exemple, il m'a violé, il m'a fait ci, il m'a forcé. Moi, il n'a rien de tout ça de A à Z. Je suis très bien éduqué, je suis très bien entouré et donc je sais exactement tous les vices qu'il peut y avoir dans ce milieu. Donc du coup, je fais très attention par rapport à ça. » Apparemment, cette vidéo met en avant le fait qu'on pourrait essayer de piéger Adèle Laurent. Je vous laisse écouter. Ça dépend déjà de l'âge. Très important, je me méfie de tout, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je suis la proie numéro une pour essayer de faire tomber Adrien Laurent, par exemple. Ouais, il m'a violé, il m'a fait ci, il m'a forcé. Moi, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça de A à Z. Je suis très, très bien éduqué, je suis très bien entouré. Et je sais exactement tous les vices que peut avoir ce milieu. Donc du coup, je fais très attention par rapport à ça. Il serait vraiment habitué à subir ce genre d'accusation, mais jamais aussi catégoriquement et jamais par une plainte de ce type. Encore une fois, ce sera donc à l'enquête et à la justice de déterminer si oui ou non il y a eu cet acte et cette atrocité. Ce n'est pas tout. La jeune femme, elle, veut garder l'anonymat et elle reproche à Adèle Laurent des faits qui sont plus violents. L'avocat a donné plus de détails. Il dit « Cette jeune femme dénonce des faits précis et circonstanciés qui sont confirmés par différents témoignages ainsi que de nombreux éléments médicaux qui corroborent l'ensemble de ces déclarations et attestent d'un traumatisme de préjudice physique et psychologique particulièrement important qui ont mis et qui mettent encore sa santé à l'épreuve et sa vie en péril. » Donc là, on est en train de parler notamment, je pense, de compte-rendus psychologiques, mais aussi de compte-rendus médicaux où effectivement on peut repérer des traces de viol si ceux-ci ont été mis en avant au moment T. Mais je rappelle encore une fois quand même qu'il y a la présomption d'innocence, il y a aussi la parole de la victime qui est ici la plaignante pour moi qu'on doit écouter. Et encore une fois, je ne suis pas la justice, je ne fais que rapporter l'information. C'est pas à moi d'accuser quelqu'un ou de dire elle a raison, il a raison, elle a tort, il a tort. Adrien Laurent a fait une deuxième vidéo par rapport à ça sur TikTok qui a été relayée par Lily Lapestouille. Je vous laisse écouter. Mes pupus, j'ai du nouveau sur la terre. Vous voulez savoir? Écoutez bien. C'est comme je le disais, pour moi, c'est un sketch, d'accord? C'est un prank. Je pense que on veut me faire une blague. C'est le poisson d'avril avant l'heure. J'ai l'impression, les gars, écoutez bien ce qui se passe, parce que il y a plein de choses, encore une fois, que je n'arrive pas à comprendre. Donc, je vous pose la question. Peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ce milieu qui arriveront à me répondre. Mais il y a tellement d'incohérences, les amis. Donc, j'ai besoin de votre aide. Écoutez bien. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent rien.
Je pose ça tout de suite sur la table. Comment c'est possible que la presse, en l'occurrence tous les médias qui ont repris cette accusation sur Twitter, etc., partout sur TikTok, dénonce une plainte que je n'ai pas reçue? Répondez à cette question. Comment c'est possible que la presse, en l'occurrence tous les... Je tairai le nom des journalistes, etc., ou des médias, désigne une plainte que moi-même, l'accusé, n'a pas encore lu. Comment c'est possible, s'il vous plaît? Dites-moi. Je vais vous expliquer la réalité des choses. C'est que depuis hier, le nom de l'avocat est sorti sur les réseaux. D'accord? Je tairai son nom, parce que ça lui ferait une pub monstrueuse et c'est pas l'objectif. Mais cet avocat-là, au lieu de communiquer la plainte, justement, à la justice, au juge d'instruction, il a communiqué la plainte à la presse pour pouvoir faire sa pub. Et c'est ça l'objectif de cet avocat, les amis. Donc, dans un premier temps, il est en train de salir sa plaignante, d'accord? Et son but ultime, c'est de salir Adé Laurent. C'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. Je n'ai vu aucune plainte à mon égard. Je n'ai rien reçu, alors que toute la presse s'excite et ils disent toutes la même chose. Nous avons reçu la plainte. Dans cette plainte, il y a écrit que... Alors que Adé, le présumé coupable, n'a rien reçu. Donc expliquez-moi, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y aura d'autres réponses. J'ai envie de savoir ce qui se passe réellement, les gars. Comment c'est possible que la presse ait reçu cette plainte alors que Adé, le personnage présumé coupable, n'a rien reçu, n'a rien encore lu? C'est totalement du délire. Et vous vous doutez bien, j'ai soif d'apprendre. Donc j'ai appelé mon avocat pour lui poser des questions. Et lui-même a demandé la plainte à l'avocat de la plaignante et n'a toujours rien reçu, les amis. L'avocat de la plaignante ne veut pas rentrer en contact avec nous. Donc son but ultime, c'est de rentrer en contact, évidemment, avec les médias pour faire sa pub et du coup pour détruire Adé. C'est exactement ce qui est en train de se passer, les amis. C'est exceptionnel, cette histoire. C'est du jamais vu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Nous sommes en train de vivre un délire total, les amis. On veut éteindre votre pupus international. Mais je comprends pas. Le pub, vous le kiffez, par contre? Il sort bientôt également, Oversize. Et voilà. Mes pupus. Et enfin, j'ai également vu Sebi Daddy faire son petit buzz dessus. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Et pourtant, il fait son buzz dessus. On a d'ailleurs Carla Talon et une autre jeune femme qui ont un comportement absolument atroce par rapport à cette histoire, disant que si ça avait été elle, ça ne les aurait pas dérangé d'être dans la même situation. Je vous laisse écouter. Adrien Laurent a été accusé de... Et on est tous là pour défendre. On est d'accord qu'il n'aurait jamais fait ça. Pas besoin de faire ça, il n'aurait jamais fait ça, je le connais. Les filles, il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais fait ça, alors. Ça ne m'aurait pas dérangé. Comment ça t'aurais pas dérangé que... Je rappelle qu'on est sur des accusations qui sont très graves et que si elles sont fausses, effectivement, ça desservira au combat contre les agressions sexuelles. Jusque-lors, je ne peux pas vous dire des choses de plus. S'il y a des nouveautés d'ici demain, parce que je filme le samedi pour le dimanche, je vous ferai des voix off. J'espère que la justice fera son travail correctement. Et pour ma part, je vous renvoie à ma vidéo enquête qui est donc sortie vendredi. Voilà tout le monde pour votre émission de la semaine. Elle se termine ici. J'espère qu'elle a pu vous plaire et vous intéresser. N'oubliez pas de liker si vous voulez mettre en avant MTT sur l'accueil de YouTube. En ce qui me concerne, je vous retrouve dès demain. En ce qui me concerne, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes MTT et MTTI. Je vous souhaite un bon dimanche, plein de bisous, love you guys!